Aujourd'hui, je ne sais plus tellement si je suis dans un rêve ou dans une autre sorte de réalité, ni exactement ce qui se passe. Alors on va essayer d'en parler. C'est toujours un peu étrange quand on se pose ce genre de questions. Suis-je dans un rêve ou se passe-t-il peut-être autre chose? Est-ce que je suis en train de dormir? Est-ce que je suis en train de rêver que je vis ou je vis que je rêve ou est-ce que je ne fais pas un rêve dans un rêve? Et moi, je n'ai pas tellement de réponses à tout ça et je ne peux que me questionner sur ce qui peut être une illusion. Pas mal de penseurs ont réfléchi à ces questions de façon plus ou moins approfondie et parfois aussi avec un peu de rhétorique facile, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on en retient ? De ces réflexions des autres penseurs. Ont-elles réellement été pensées ou s'agit-il encore d'autre chose, de quelque chose qui resterait encore de l'ordre d'un rêve de pensée? Est-ce que je suis en train de vivre ou est-ce que je rêve que je vis? Vaut-il mieux que je vive ou que je rêve? Est-ce que quand je me pince, ça fait mal? Mais j'ai pu avoir mal dans des rêves. Est-ce que ce qui se passe est une chose qui est belle? Et est-ce qu'elle est encore plus belle d'exister ou de ne pas exister? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans l'idée que l'existence pourrait être une perfection, comme le pense Descartes dans les méditations métaphysiques? C'est une des preuves de Dieu. Elle m'a toujours semblé bien faible. Ne pourrait-il pas sembler plus parfait de ne pas exister ou d'être dans une demi-vie, comme on peut le voir chez Volodine? Je n'ai pas de questions tranchées sur ces choses-là parce que, évidemment, j'ai du mal à trancher, ne sachant pas exactement où j'en suis ni dans quelle étagère. Et il me reste de tout cela à penser des choses qui ne sont pas toujours si pensables ni si estimable. Qu'en fait-on? Les pense-t-on? Ou reste-t-on dans l'illusion d'une logique qui ne serait là que pour nous faire davantage croire au fait que notre rêve a une existence avérée? Et si jamais je rêve, est-ce que je peux me réveiller? Et si jamais je me réveille, est-ce que je peux encore rêver? Et n'ayant pas de réponse à ces questions, continuant de me les poser, mais parfois aussi dans un demi-songe, comme il y a de demi-éveil, ou des semi-existences, je ne peux que continuer à me demander si finalement, je ne préfère pas rêver. Peut-être rêver que je vis, mais peut-être que la vie est plus intense et plus colorée quand on la rêve que quand on la vit. Aujourd'hui,
C'est toujours plus difficile de parler. Et pourtant, ça se passe, et pourtant, la parole, elle vient, et pourtant, ça continue, et pourtant, en moi bien déflu, en moi bien déçu.